J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, tout se passe bien. Je suis levée du coup depuis 6h30 et bizarrement, je suis en pleine forme. Il y a des jours comme ça où tu dors 10 heures, ça va pas du tout. Puis des jours où tu dors 5 heures et tout va bien. Enfin bref, petite question. J'aimerais transformer mon ventre ici en vase. J'aimerais faire un vase avec le moule de mon ventre. Est-ce que vous connaissez, je sais pas, des gens qui font ça? Même si rien ne la perturbe, je me suis quand même mis dans sa chambre qui est à 2 mètres de ma chambre pour ouvrir les colis, histoire de ne pas faire trop de bruit avec le plastique. Et on a pas mal de choses très sympas. Donc je vous montrerai tout au fur et à mesure. Je vais vous sélectionner 5 pièces par 5 pièces. À savoir que vous allez pour le moment avoir du chill, chill, chill. Vous n'aurez pas des robes moulantes, tout ça, parce que bien qu'il y en ait des magnifiques sur le site, je ne suis pas assez à l'aise avec mon corps. Enfin, c'est même pas assez. Je ne suis pas du tout à l'aise avec mon corps que pour porter ce genre de vêtements pour le moment. Donc on est plus dans le jean, dans le cool, voilà quoi. Alors dans un premier temps, peut-on parler de ces pantoufles pépites fraises? On adore. J'adore, c'est en espèce de coton bouclé. J'adore la matière. Et à l'intérieur, c'est du tout doux, bien chaud. On adore et c'est trop mimi, franchement. Alors pour commencer, leur petit t-shirt, donc celui-ci, j'adore tous leurs t-shirts. Ils sont super sympas, il y a des trop beaux designs. Donc j'aimais bien le Not My Problem en fait. Voilà, bon basique quoi, un t-shirt. Alors petit cargo, j'adore la couleur. Détail ici au niveau de la poche, j'adore aussi. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez le serrer en haut et en bas, donc moi ça va me permettre de le garder dans le temps en fonction de ma perte de poids et de pas devoir le donner parce qu'on va pas changer de taille du coup. Et voilà, il fait le taf, vraiment il est sympa. Pardon, mais est-ce qu'on peut parler de la beauté de cet ensemble? Excusez-moi. Waouh! Alors petit pull, petit détail, des poches ici, petit col en V, petite capuche. Les manches bien longues, le pantalon bien long. Waouh, il est mais trop, trop beau. Un petit peu oversize, mais pas trop. Il va parfaitement avec les bottines. D'ailleurs, mention spéciale pour les bottines aussi, je vais vous les montrer. Splendide. Alors, pardon, mais la bottine, elle est juste incroyable. Vous avez la grosse plateforme. Ici, c'est en daim, les petites coutures blanches, la moumoute ici qui fait tout. Non, elles sont trop, trop belles. Je suis trop fan. Franchement, cette sélection est une pépite à elle toute seule. Regardez-moi cette veste. Elle est magnifique. Pardon, hein, mais waouh. Je suis mais trop, trop fan. Effet blazer, en fait, vous avez... le devant qui est tourné comme ça, mais vous pouvez très bien la fermer et monter jusqu'en haut. Vous avez ça qui permet de maintenir le cou si vous avez besoin de la fermer. Et regardez-moi les détails. Elle est trop belle et elle est en espèce de daim. Trop, trop beau avec la moumoute. On adore. Déjà, pourquoi tu me suis sur Snap? Je t'ai bloqué. Pourquoi tu fouines mon Snap? Déjà, je t'ai bloqué, mais comme je suis public, non, tu peux quand même regarder. Non, je t'ai bloqué. Ah non, je peux t'ajouter.
Là, je ressens totalement la fatigue du 6h30 du matin. Je suis posée dans le canapé. J'ai un coup de barre. C'est énorme. Baba a été chercher les petits. Et moi, je suis tombée sur une page d'un coiffeur. Et j'ai envie de devenir blonde. King, les gens ils disent que t'as une frappe de malade. Ils disent que t'es un grand footballeur. Comment tu t'appelles comme footballeur? Ballon. Le ballon, d'accord. J'espère que vous allez bien. Bon, vu ma coiffure, vous pouvez vous imaginer ma night. J'ai l'impression que Slayly confond le jour et la nuit, c'est trop. Alors, il y a des nuits où ça se passe super bien. Il y a des nuits où elle me fait 3-4 réveils comme ça. C'est. Bah, ça va, c'est pas un truc de ouf, hein, mais c'est juste que c'est fatigant, quoi. Comme cette nuit. Du coup, aujourd'hui, je ne vais absolument rien faire, si ce n'est que rester dans mon lit toute la journée. Là, je vais remonter de ce pas. Je remonte, je me remets. Je termine mon épisode que j'ai pas terminé hier de l'île de la Tentation, tellement j'étais fatiguée. Et voilà. Journée off. Quand je vous dis que je suis off aujourd'hui, j'ai même pas pris soin de m'habiller. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reçois des messages de personnes qui me disent non, mais tu peux manger tous les légumes, mais tu peux faire ci. Écoutez, moi, c'est mon régime. Je vous partage mon régime, je vous partage ce que je fais. Je vous oblige pas à faire ce que je fais, je vous oblige pas à faire régime. Si vous avez un autre régime, vous faites votre régime, quoi. Ça sert à rien de me dire, moi j'écoute ce que ma nutritionniste me dit. Voilà, ça s'arrête là. Après, le pourquoi du comment, comme j'ai déjà dit, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, j'en sais rien. Mais arrêtez de vouloir changer mon régime, c'est déjà assez dur comme ça. Et je me suis fait une petite fraîcheur. Je vais aller chercher les enfants. Je vais essayer d'aller au magasin de jouets avec eux pour trouver une tente. Vous savez, une tente, ils adorent faire des tentes. Ils le font avec mes rideaux. Donc,
Du coup, je vais essayer de trouver un petit truc, une tente d'intérieur un peu spacieuse pour qu'il puisse jouer dedans. Dernière chose, bah rien. J'avais oublié de vous demander, est-ce que vous avez une astuce miracle contre les poux? Parce que King nous a ramené les poux à la maison. Donc...